So we have a few more minutes to address this issue. I can see a few hands being raised. And so let me I have three on that side of the room. So I have a lady in white just ahead of me, Mr. Pogam just behind him, and a lady in red, my side, and a gentleman with whom I don't see very well, also on the extreme right. So please, madam, let's do start. Dania Khatib, I want to ask, there is one issue that was not high. Thank you for the speaker. Wonderful, wonderful, wonderful interventions. I have one issue that none of you has touched, maybe lightly you touched upon, is food security in area of conflict. And I want to give you Syria, for example. Syria in Madaya, which was under siege, children were dying because they were have no access to food. We're 10 minutes away in Zabadani, the farmer were throwing the vegetables and the fruit because they didn't have a way to sell them. And now, for example, in Syria, we have every 6 months the renewal of Bab al-Hawa, which is the only crossing, which is, and we don't know, maybe after, in you know, in February, the Russian will say, no, we don't want to renew it. So, I mean, there is a lot of issue, and I work a lot of issue of resilience. And this is where comes the sustainable agriculture, where sustainable agriculture, which is diversifies and needs minimum maintenance and can increase the resilience of local community. Can any one of the speakers give me, for example, like in Syria, how can we, and is there an, I mean, does for example, food organization, UN Food, did they think about that, promoting sustainable agricultures in these areas, in areas of conflict where the there is no freedom of movement of goods and people? Thank you very much. Thank you so much. As for the other panels, we are going to take all the questions so that you can very freely react. So, Mr. Pogam, yes, here. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup au panel pour les excellentes interventions. Un commentaire et une question. Le commentaire, d'abord, c'est que le problème posé est, du point de vue, est un problème classique de théorie des jeux, c'est-à-dire que tous les pays ont sur le commerce, tous les pays ont le droit de protéger leurs ressources et leurs populations en fermant leurs exportations. Mais aucun pays n'a intérêt à le faire parce que si on coupe le commerce, on aggrave le problème. Et on a rencontré ça au début du Covid et on a rencontré ça au début de la crise alimentaire. Comment le système international a réagi? Je dirais en progrès, mais doit mieux faire. Il n'a pas mal réagi au sens où on a eu 3 ou 4 résultats multilatéraux qui ont permis un fonctionnement à peu près normal du système. Le premier, les ministres du commerce se sont engagés à la modération dans l'utilisation des restrictions aux exportations. Et cette modération n'est pas totale, mais c'est traduite dans les faits par une diminution du nombre de mesures qu'on a observées à l'OMC. Il y en avait 78 au début de la crise en février. Il n'y en a plus que 50. Ça n'est pas satisfaisant, mais c'est plus équilibré. Deuxièmement, ils ont éliminé toutes restrictions aux exportations sur les achats du programme alimentaire mondial, ce qui est un des éléments d'intervention important. Troisièmement, le secrétaire général des Nations Unies a obtenu cet accord sur l'extraction, la sécurisation de la sortie du blé et des autres grains de la mer Noire. Quatrièmement, le FMI a mis en place, sur la proposition de la FAO, je crois, une facilité de financement des importations pour les pays en situation de tension sur la balance des paiements. Donc on a quelque chose, on a eu une réaction collective qui est plutôt, qui va dans le sens de la circulation. Les résultats en termes de tension sur les prix, je parle sous le contrôle de Maximo Torero, sont plutôt meilleurs. Il y a 6 mois, on était à 1/3 au-dessus de l'année dernière. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 20%. Et donc, il faut continuer. Et c'est là la question que je voudrais adresser au panel. C'est quelles sont les priorités que vous identifiez pour les 6 mois à 1 an pour maintenir cette dynamique de coopération qui permettra de continuer à contribuer à résoudre cette crise alimentaire. Évidemment, nous, on va le faire au niveau de l'OMC sur la transparence et le maintien de l'ouverture des marchés, autant qu'on pourra le faire. Tous doivent y contribuer. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Marie. Une petite note de bas de page, je suis étonné finalement rétrospectivement qu'aucun de nous n'ait cité le Programme alimentaire mondial, qui est supposé être l'organisation qui assure le filet de sécurité ultime hein, en matière de sécurité. La dame en rouge, voilà, vous êtes à côté d'elle. Oui, bonjour. I'm Carrie Halfordy Hardy, and the question I have is several of the panelists have mentioned, of course, the necessity for increasing food production while reducing environmental impact. And we have to couple that with evidence-based policy making with regards to new breeding technologies and genetically modified organisms, as well as towards phytosanitary products. And so if the panel could also address how you can reconcile that with some of the decisions that have been made that in other places around the world that do not address, for example, the question of climate impact in Africa on things like banana wilt, and not being allowed to use those new and innovative agricultural processes and products. Thank you. Very hot issue. Thank you so much. And last but not least, my extreme right. Merci, merci pour la densité de la présentation du panel. La question de la sécurité alimentaire en Afrique, de façon générale, en Afrique de l'Ouest, de façon particulière dans le Sahel, est bien préoccupante. Vous en avez parlé. Hier, nous avons parlé de la question des matières premières critiques. Mais il y a une question préjudicielle que nous devons régler. La question de la lutte contre le terrorisme. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quand les terroristes arrivent avec leurs armes et leur folie meurtrière, ils saisissent les bétails des éleveurs et en disposent comme ils veulent. Dans les zones d'agriculture, ils préviennent les occupants des terres cultivables et leur disent « dans 48 heures, nous serons chez vous ». Cela provoque des vagues de déplacements internes. Moi, j'ai visité beaucoup de camps de déplacés internes. C'est une crise humanitaire importante qui se prépare. C'est peut-être en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel aujourd'hui, mais après la guerre de l'Ukraine, je crois que nous aurons la même chose en Europe. Il faut régler absolument la question préjudicielle de la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. Merci sur ce coup de projecteur très important sur une région particulièrement critique aujourd'hui. Je vois que j'ai une demande de Philippe Chalmin et puis on va arrêter là parce que malheureusement, pour donner quelques minutes à chacun des panélistes. Philippe, brièvement s'il te plaît. Très brièvement, je crois que ce qui est quand même important, c'est faire une distinction entre politique agricole et politique alimentaire. Et il me semble que c'est au cœur de tous les problèmes, notamment africains. Les agriculteurs, je veux bien qu'on les aide, qu'on leur apprenne de nouvelles technologies. La meilleure aide qu'on peut leur offrir, c'est la carotte de prix garanti, stable et rémunérateur. C'était, souvenez-vous-en d'ailleurs, le modèle d'une région qui longtemps fut dépendante alimentairement, qui s'appelait l'Europe. Et on a eu la politique agricole commune. Le problème, c'est qu'à l'époque, les consommateurs européens pouvaient payer. Le souci dans la plupart des pays touchés aujourd'hui, c'est que les consommateurs n'ont pas les moyens de payer, qu'il n'y a pas beaucoup de contribuables pour financer, et qu'au contraire, le souci des gouvernants, souvent élus plus ou moins démocratiquement, c'est de maintenir des prix alimentaires bas dans les zones urbaines, celles qui peuvent faire des révolutions. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un pays qui a résolu la dualité politique agricole-politique alimentaire, c'est l'Inde. Et personne n'en parle. Mais politique agricole indienne, les prix garantis sont suffisamment élevés. Politique alimentaire indienne, les prix aux consommateurs sont suffisamment bas. Alors comment peut-on et comment pouvez-vous imaginer sortir de cela, et quand, je ne sais pas si c'est Pierre qui disait il faut laisser les gens se débrouiller eux-mêmes, est-ce que l'on ne pourrait pas quand même imaginer financer de véritables politiques agricoles? Parce que quand les prix sont bas, les agriculteurs ne font pas de révolution.
Mais quand le prix du pain est élevé, là, on a des émeutes de la faim. Merci Philippe. Et bien sûr, ceci explique en partie l'arrivée de l'Inde sur le marché de l'exportation agricole et aussi ça explique les politiques de non-protection que dénonçait tout à l'heure, je crois, Pierre, des productions agricoles en Afrique et voire même parfois des subventionnements aux importations que l'on voit dans de nombreux pays. Alors nous avons 2 minutes pour chaque intervenant, désolé. Je vais pour réagir aux questions qu'ils souhaitent, dans l'ordre qu'ils souhaitent, c'est leur privilège du choix. Et si elle le veut bien, je vais peut-être commencer par Madame la Ministre, pour I'll start with you, Minister, to give any reaction you would like to those questions. Okay, I'll start first with the first question that we got. This again comes to partnerships. I'm going to give you an example of some things that the UAE has done, and this was also in collaboration with the FAO, and Massimo is with us also today. We did, for example, projects with Liberia. So this was UAE, Liberia, and the FAO, and we helped Liberian women in adopting to some technologies and providing them with some solar panels to be able to farm in their communities. What you say is so important because we want to make sure that people can also ensure that they're being able to produce where they are and not create this movement that's really accentuating again the difficulties that we're in. So what's really important is that even we're looking at innovations, we need to look at, so vertical farming is extreme high capex costs, but there are low-tech things that can be done, and this is where research and development comes in. We have, for example, the International Center for Biosal and Agriculture, known as ICBA. ICBA is here in the UAE now since 22 years. The UAE is also a donor to ICBA, and they are looking at low-tech solutions for marginal environments. So what can be done in marginal environments to produce crops, to produce fodder for livestock, etc. And this knowledge is then being taken to the developing countries and to those in conflict areas where we need to help them. As you may know, UAE is also one of the top countries in the world when it comes to ODA, when it comes to humanitarian work. We work very closely with the World Food Programme. What we do realize often, of course, there are, you need to classify a certain immediate need. When it's, they need food, they need food. But when you're looking at medium to long term, you need to look at what technologies, what tools can you give these communities so that they can grow, they can make money, and they can start developing their economies or their mini economies. It's so important because when you see conflict areas, it really comes down to mostly food. When people don't know where their next meal is going to be, this is dangerous. And so it's really important that we give them that peace of mind that you will always have food. Here you go. This is how you can grow it. These are the tools you have. We support you. And what's important is the youth here as well, to get them excited about this as well, to get them to think around how they can make money from this and have a future in this as well. So I cannot say more than yes, more needs to be done in this. I can only talk about what we do in the UAE, what other countries are doing. I cannot talk on their behalf, but yes, more needs to be done in sharing technologies and innovation, whether low-tech, medium-tech, high-tech, to help countries or communities that are in conflict areas, all the way up to even developing or developed countries. They have food deserts, they have food insecurity areas. Even those need to be supported as well. And then, just remembering some of the questions, I know we had about India as well. Again, I cannot talk on behalf of other countries, but with the UAE and India, the gentleman here in the front, we have, for example, we've created the UAE-India corridor. Why? Because we also realize India is a huge food producer, but the UAE is a great hub with a great network to be able to deliver food to the world. We have storage systems, we have the logistics infrastructure, so we need to create more of these food corridors to be able to bring food to the places in need. So with that, I'll stop there. Sure.
Thanks, Minister. Mr. Krishnamurti, please. Yes, I think we have to, you know, say it out loud that conflict and war is the imminent and most severe threat to food insecurity. Conflict and war is not a normal situation. Then we have to do it to tackle it. First is to you know, abolish the conflict and the war itself, right? But if we have to do it, to do something with it, and again, humanitarian program is, I think, it's very important. And things that has been said by the His Excellency ministers, small but real in the field, helping them with their own situations. I think that is the only way. On the organizations, I think that's why the global governance becoming very important. If we look around in the world, World Food Program, yeah, they are very good, but that's for humanitarian, not for trade, not for building business. FAO, probably they are very strong in production side, some of the consumptions, but not the trade. WTO, they handle some of the trade issues, but they are taking too long in their deliberations, dispute settlement and so forth. So probably we need to have, again, it's been mentioned again and again in this conference, a global food governance. I don't know what, and I don't know what in how, what form. Maybe something that, you know, enlarging that has been done by UAE, just do the real things and not only in the level of policies, scaling up what has been an example, a very good example, and that is something that we need in the world. GMO, I think that's one of key issues related to the technologies, and we learn a lot in the last 30, 40 years, and there are countries that are already embracing it, and some countries are still against it, and that is, I think, more on a political science arena to have that discussions. But I think, to be very honest, the reality is that genetic technology is one of the key to solve many problems that we face in food security. Last but not least, to come with a model, I think that is something very interesting, but we need also to be very careful, because as the Her Excellency Minister said, every country, every territory have their own challenges, and so they need to have their own model. And if we recognize that, and I think we will see and have given appreciation to many models of the world in many countries. Thanks very much. Pierre? Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Est-ce que je parle le micro? Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire le professeur Krishnamurti. Je partage ce qu'il a dit à la fois sur l'importance des nouvelles technologies. Et on retrouve dans le domaine agricole le même type de débat que celui qu'on a dans bien d'autres domaines, que ce soit l'énergie ou d'autres, sur l'acceptation du progrès technique et ses implications. Je crois que rien ne peut remplacer le débat sociétal sur ces questions. Et je partage, en tant qu'ingénieur notamment, la conviction que le progrès technique a un rôle majeur à jouer, pas unique, c'est pas une solution miracle, mais simplement dans les différentes approches à étudier. Mais il faut en convaincre le reste de la population, et donc ça nécessite des débats totalement ouverts sur la nature du progrès technique, ses implications, qu'on traite les questions comme elles se posent. Sur les conflits aussi, je partage ce qu'a dit mon voisin, parce que je pense que si je reviens aux critères que mentionnait Madame la Ministre sur les éléments de socle d'une politique agricole réussie, les pays à conflit ne sont pas des zones dans lesquelles on peut facilement planifier.
ou mettre en place une bonne gouvernance. Ce qui veut dire que dans la période intérimaire, on a peu d'autres choix que de penser l'aide humanitaire. Et peut-être, au-delà de l'aide humanitaire, l'aide qu'on pourrait appeler grassroots, c'est-à-dire l'aide de petite taille à des fermiers individuels, parce qu'il y a encore de l'innovation, il y a encore de la capacité de réaction à ce niveau-là, encore faut-il pouvoir intervenir à ce niveau-là. Je terminerai par la remarque de Philippe Chemin. D'abord, je n'ai jamais voulu dire qu'il fallait laisser les gens se débrouiller par eux-mêmes. Pas du tout. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas prétendre leur apporter les solutions à leur place. Mais leur donner les moyens de trouver les solutions, y compris les moyens financiers, oui, c'est une responsabilité collective majeure. En revanche, je partage ce qu'il a dit sur le rôle des prix, ou le rôle de l'assurance agricole d'ailleurs, parce que c'est un peu le même type d'idée. Et là, je crois qu'il y a vraiment un boulevard pour l'innovation. C'est-à-dire qu'on est encore en train de penser assurance agricole avec tous les problèmes qu'il y a derrière, qui est la capacité des gens et des fermiers à accepter de s'assurer avant que le risque se produise. Peu de gens sont capables de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos pays développés, l'assurance est souvent obligatoire. Et en revanche, on pourrait imaginer des partenariats publics-privés, en quelque sorte, dans lesquels les banques financent et le remboursement ne sera demandé qu'en cas d'évolution favorable de la nature, par exemple. Ces questions-là sont aujourd'hui très peu étudiées. Et encore une fois, c'est un boulevard pour l'innovation financière. Et je crois qu'il y a là vraiment des possibilités d'innovation tout à fait majeures. Mais oui, la politique agricole, elle consiste à protéger les producteurs parce que l'agriculture est une activité profondément incertaine, soumise à des tas d'aléas non contrôlables. Et donc, voilà, le marché tout seul ne répond pas à la question. Mr. Torero-Colen, yes, you'll have exact final word, as we shall see, but please go ahead. No, that's okay. Let me answer some of the questions directly. First, if we look at the key drivers of food insecurity historically, first is conflict. Now we add the war because of the war in Ukraine. Second is slowdowns and downturns, which COVID-19 plays through it. Third is climate and climate variability, but that's today. But the combination of them are the ones that create the biggest challenge. Now, to improve resilience to those, we need to have at least three elements. One is early warning tools with predictive power that we can help countries to alert them. Absorption capacity, and here is the toolbox that Marianne was talking. We need a toolbox that can adjust to situations that we know will happen. Most of the conflicts have been there historically. So we need to have that set of toolbox that will allow these producers to shrink and expand depending on the challenges they will face. And then we need to reduce inequalities to be able to build back better. But in this context, if we look at what is happening today in the short term, we have a food import bill that has increased to $2 trillion. That's an increase in $180 billion. And the 62 most vulnerable countries are paying $25 billion more for their food because of prices and because of exchange rate. And ring the bell, where is the exchange rate problem coming? From mistakes from the north. So we need to be careful here because they have to increase interest rate because they supply too much food. That's affecting the exchange rate. That's increasing the import bill substantially. The same is happening with inputs, a huge increase in the cost of inputs. And again, on fertilizers, and that will have a consequence on seeds. Third, I think it's important, the issue of trade. It's central, the issue of trade. But we have specialized agencies working on trade, and it's not a simple issue, it's a very complex issue. But we need to bring more evidence and transparency, and that's what AMIS does, to assure that we facilitate the mobility of goods. But if we don't move goods today, we will have a problem. But it's not only global trade, it's also intra-regional trade. Yes. How we accelerate the African trade mechanism so that it's also accelerated. Today, most of the fertilizers in Africa produced by Dangote plant in Nigeria, 95.5% are traded to South America, not to Africa. So Africa doesn't have a problem of source of fertilizers. Most of them are going out of Africa because of trade problems within Africa and logistical and access issues also. So let me just finalize on something which I think is important. Solutions has to be led by countries and by regions where there is economies of scale. Africa is a good example of institutionality with the CARA framework. I think what UAE has done is great, but it needs to be led by countries. We cannot impose more institutionality over it. I think that will be a huge mistake. We have to make agencies accountable
And that's what will make them work properly in the roles that they have today. But complicating more the global system will be a mistake, on my view, and I think we need to let countries and regions to accelerate and help them with technical capacities and information and technologies. And that's where innovation and technology is central. And I think the question on technology is important, and we cannot run from it. We need new technologies, not only digital, but also new biotechnologies, the gene editing, and so on and so forward. But we need to bring evidence and solutions and to bring information so that countries can make better decisions. Thank you. Thank you very much, Dr. Rokolen, especially for making this very important link that we did not mention between interest rates, exchange rates, cost of imports, which is playing a huge role in the current situation. I have been told that our prestigious friend Lionel Zinsou had asked for the floor, which I didn't notice, so I apologize for him for that. And so if you wish, before we close our workshop, please, Lionel, you have the floor for what you had to share with us. 2 minutes, Monsieur le Président. Et merci beaucoup. En fait, je crois que vous aviez une invitée africaine s'occupant du NEPAD et qui ne pouvait pas être présente. Et donc, peut-être vous pouvez donner une couleur africaine à votre débat. Je vous remercie du très haut niveau de votre débat. Mais 80% des phénomènes les plus intenses de malnutrition, de sous-nutrition et d'insécurité alimentaire concernent le continent africain. Et je voulais juste rappeler un certain nombre de paramètres simples. Monsieur le Président, tu as dit à un moment donné que les financements de l'aide publique au développement avaient beaucoup baissé sur les questions d'agriculture. Et c'est vrai qu'il fut un temps où, au Mexique, en Inde, en Indonésie, en Chine, il y a eu un financement très important des révolutions vertes. Ceci a beaucoup décru, en réalité, après les années 80. Bon. Et la dimension financière est importante au-delà de l'aide publique au développement. Une des choses qui, dans mon expérience du gouvernement, m'a frappé le plus, c'est de me tourner vers le directeur national de la Banque centrale et lui demander, dans l'allocation de crédit à l'économie, d'un pays où 50% de la population active est employée dans l'agriculture, et où l'agriculture représente 28% du PIB, et en cela, on est assez proche de la moyenne subsaharienne, quelle est l'allocation de crédit à l'économie qui va à l'agriculture? Et la réponse est 2%. Alors, il y a un phénomène d'aide publique au développement, mais beaucoup plus important, un phénomène de nos systèmes financiers. Or, il se trouve que l'agriculture, et je parle sous le contrôle du chef économiste de la FAO, est l'un des secteurs avec l'énergie et l'eau au coefficient de capital le plus élevé, compte tenu de la valeur relativement basse du produit fini avant transformation. Donc, c'est l'activité la plus capitalistique, contrairement à l'intuition qui n'est pas l'industrie de transformation. Et comme c'est aussi le principal, en Afrique, consommateur d'énergie et d'eau, qui sont les autres secteurs hyper-capitalistiques, la problématique, malgré tout, du financement de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, qui n'est absolument pas traitée de la même façon en Asie, de la même façon en Amérique latine, il y a quand même une spécificité africaine sur le besoin du capital, des fonds propres et du crédit. On a dit des choses très impressionnantes sur l'agriculture des Émirats. Et tu as fait allusion à l'agriculture sans sol, l'agriculture verticale au Kenya. Et en fait, on peut effectivement augmenter énormément l'espace qu'on peut mobiliser pour réduire l'insécurité alimentaire. Mais c'est d'abord du capital. Oui. Et en zone aride ou semi-aride, dans les écosystèmes des Émirats, nous avons tout à fait dans le domaine sahélien, saharien et les autres déserts,
nous avons tout à fait le même espace, le même écosystème. Nous n'avons pas du tout le même capital. C'est-à-dire que nous sommes totalement dans une situation où le financement est clé. Voilà, je souhaitais dire ça. C'est un élément de couleur locale, mais je pense que parce que nous sommes un peu asiatiques et un peu européens dans ce panel, le capital n'existait pas. C'est malheureusement l'activité la plus capitalistique de toutes. Merci. Merci beaucoup, Lionel, pour ces remarques précieuses et tout à fait exactes. Sans rallonger nos débats, je dirais que pour rebondir à la question que posait Jean-Marie, d'une manière générale, cette mobilisation autour de la production comme de la consommation en matière agricole et l'élévation de son rang de priorité dans le débat public est sans doute une des contributions que pourrait faire l'OMC d'une manière particulièrement utile dans un moment où nous avons besoin de changer de priorité. Mesdames et messieurs, chers amis, je crois que vous ferez consensus autour du fait que mes collègues dans le panel ont fait un travail formidable, mais aussi la salle, qui a énormément contribué. Et avant de vous demander de les applaudir, je voudrais également, dans ces remerciements, vous demander d'adresser... C'est plus particulier à Madame le ministre Moueri qui a non seulement brillamment contribué à notre panel et l'a aidé à changer de dimension, mais aussi va avoir la lourde charge de conduire le chemin des Émirats arabes vers la conférence sur le climat, la prochaine COP. Et je crois que nous lui devons de lui souhaiter très bonne chance pour cet événement majeur qui va avoir besoin de leur leadership. Et donc je vous demande de bien vouloir les applaudir chaleureusement.